pareil. C'est la rentrée pour le Nice Volley Club avec la traditionnelle photo d'équipe. Comme par hasard. Rituel immuable pour souder le groupe. La saison passée, le Nice Volley Club a fini 8e du classement Pro A. Cette année, les Niçois espèrent faire mieux grâce à l'arrivée de jeunes joueurs de l'équipe de France, dont le réceptionnaire attaquant formé à l'AS Cannes, François Rébérol. Moi, personnellement, je suis du Sud, donc je suis très fier de retourner vers chez moi et j'ai hâte de commencer la saison au vu de la belle préparation qu'on fait et avec un nouveau collectif, un gros collectif et une super ambiance dans l'équipe. Dans l'équipe également, le nouveau pointu de Nice, Célestin Cardin, champion de France de la saison passée avec le club de Montpellier. C'est une responsabilité. À Nice, de toute façon, n'importe dans quel club, le pointu en général, c'est vraiment, on cherche quelqu'un assez d'expérimenté et tout. Là, je suis assez jeune. Après, on a une équipe autour qui permet de m'aider et tout ça, et avec les coachs, tout ça, de m'aider à prendre des responsabilités. Et je suis là pour ça, pour essayer de prendre un peu ma place et de montrer de quoi je suis capable à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de récupérer ces genres de joueurs qui savent déjà jouer, se positionner, s'entraîner. Donc il y a l'affinage de haut niveau, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement, qui permettra à notre groupe de continuer à avancer tout simplement. Au programme, deux matchs amicaux cette semaine pour se mettre en jambes, vendredi contre Sète et samedi contre Montpellier. En championnat, les choses sérieuses commenceront à domicile le 1er octobre avec un match contre Tours.